Je suis allé au cinéma deux fois avec Emmanuel qui ne comprend pas toujours ce qui se passe sur l'écran. Il faut alors lui donner des explications. Hier c'était samedi et Marie est venue comme nous en étions convenus. J'ai eu très envie d'elle parce qu'elle avait une belle robe à raies rouges et blanches et des sandales de cuir. On devinait ses seins durs et le brun du soleil lui faisait un visage de fleurs. Nous avons pris un autobus et nous sommes allés à quelques kilomètres d'Alger sur une plage resserrée entre des rochers et bordée de roseaux du côté de la terre. Le soleil de 4 heures n'était pas trop chaud, mais l'eau était tiède, avec de petites vagues longues et paresseuses. Marie m'a appris un jeu. Il fallait, en nageant, boire à la crête des vagues, accumuler dans sa bouche toute l'écume et se mettre ensuite sur le dos pour la projeter contre le ciel. Cela faisait alors une dentelle mousseuse qui disparaissait dans l'air ou me retombait en pluie tiède sur le visage. Mais au bout de quelque temps, j'avais la bouche brûlée par l'amertume du sel. Marie m'a rejoint alors et s'est collée à moi dans l'eau. Elle a mis sa bouche contre la mienne. Elle a mis sa bouche contre la mienne. Elle a mis sa bouche contre la mienne. Elle a mis sa bouche.
Nous nous arrachons encore du sol avec des appareils très compliqués, tout cela coûte très cher. On est en train de me prendre avec un appareil qui se trouve souvent en proie à des accidents techniques. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais j'ai l'impression que votre jeunesse n'est plus comme la nôtre, assise entre deux chaises. Notre jeunesse est assise entre deux chaises car elle n'a pas connu la grande époque qu'on appelait l'époque héroïque de Montparnasse, elle n'a pas connu ma civilisation, la civilisation que j'ai connue, et nous sommes encore des apprentis robots. J'espère du reste que vous n'êtes pas devenus des robots, et qu'au contraire, vous serez très humanisés. C'est ça mon espoir. Yeah.